Hey, c'est Njada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre petit let's play sur Little Witch in the Woods. Et si vous vous rappelez bien, eh bien dans le dernier épisode, le train s'était arrêté et évidemment, Ellie voulait absolument voir le fameux arbre au sommet de la montagne. Alors, on va voir tout ça. Alors, donc pour la quête, il faut qu'on trouve du coup cet arbre. Donc, je suppose qu'on doit quitter le train. Waouh, il fait si noir! Si tu as peur, tu peux toujours retourner dans le train. J'adore! Dépêchons-nous. Ok, alors, memo board. Donc, on peut voir le memo board de nos quêtes. Et on peut le fermer. Ok. Très bien. Eh bien, allons-y. Aimant. Oh! J'adore. Il y a une montagne. Ce ne sera pas facile à escalader. Oh, regarde, il y a des vignes. Je vais pouvoir grimper grâce à ça. C'est une mauvaise idée. J'adore Virgil, il est vraiment trop drôle. Allez, c'est parti. Oh, il y a un passage secret, Virgil! Je ne crois pas que ce soit un secret et je ne crois pas que ce soit un passage secret. Je pense qu'il y a un passage après. Oh, j'adore les graphismes en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça on peut... Non, on ne peut pas interagir pour le moment avec. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des petites citrouilles au miel. Qu'est-ce que c'est? Sont des mauvaises herbes qui... Dans la forêt. Ça pousse tellement vite que tu ne peux même pas t'en débarrasser à main nue. Tu dois trouver le nucléus caché quelque part et t'en débarrasser. Je suppose qu'on peut se débarrasser aussi de ça. Hein. On peut juste retourner au train. Hein. Non, pas possible. Allons-y. Ça doit être pas très loin. Alors, puisque le nucléus te donne l'habilité d'avoir de la lumière quand tu le touches, les vignes, tu pourras le retrouver. C'est peut-être ça? Non. Ah si, c'est ça. C'est tout part du coup. On peut continuer. Super, c'est le moment d'explorer. S'il te plaît, n'utilise pas ce mot, explorer. Ce mot me donne de l'anxiété. Et pas grâce à ta mère. Alors, pour sprinter, ok. Ça nous use de la stamina. C'est trop joli, en tout cas. J'adore. Ok, on a eu une branche. Ah! Donc il est en haut de la montagne, il faut qu'on se dépêche. On va quand même récolter 2-3 trucs, sait-on jamais, hein. Tant qu'on y est, hein. Je pense qu'on doit aller par là. Oh, c'est trop beau ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'adore. On va essayer d'aller par là. J'aime bien, j'adore les graphismes et tout. J'imagine 2 jours, ça doit être encore plus haut. Oh, la montagne! C'est un mauvais signe, non? J'ai toujours détesté les montagnes. Je pense que c'est tout en haut, hein. En tout cas, on va avoir un maximum de trucs à explorer, hein. C'est trop joli. Pourquoi il y a tellement de choses qui bloquent le chemin? Ça doit être une forêt avec beaucoup de secrets. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un pattern de sorcière. Pattern de sorcière? Donc il y avait une sorcière ici? Il y en avait une ou... Et comment ça marche?
Ah, l'école me l'a mal telé dans la tête. Ça devrait pas être un problème. Et c'est aussi inscrit par terre. Ok. Oh, j'adore. C'est parti. Oh, il est trop beau. Waouh. Il est magnifique l'arbre. Waouh, il me fait trop rire dans ses réactions. Waouh, c'est le gigantesque arbre que nous avons vu depuis le train. Je pense pas que c'est l'arbre qui brille en soi. Regarde Virgile, il y a des tonnes de papillons. Tu avais raison, ce sont les papillons qui semblent briller. Ce sont des papillons Blue Moon. Les papillons donnent un subtil éclat de la lune. Oh, ok. La lumière de ces papillons a le même pouvoir que l'éclat de la lune. C'est pourquoi d'étranges choses apparaissent toujours près de ces étranges papillons. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? Et ce géant arbre? Oh, alors, elle est fascinée, hein. Est-ce que ce n'est pas une magnifique découverte? Est-ce que tu savais que ce sont des créatures rares? Ah bon? Le fait que ces deux sont l'un côte à côte est fascinant. Qu'est-ce qu'il y a à propos de ces deux ensemble? Généralement, ils sont élevés ensemble, artificiellement, pour avoir des fleurs de la lune. Une lucérine hors tout, donc je pense que c'est une ville peut-être. C'est pas très commun de les voir ensemble, surtout comme ça. On les a quand même trouvés, hein? Je suppose. Je dois écrire une lettre à l'école plus tard. Regardons un peu autour. Et remplissons notre codex. Ne sois pas en retard. Nous devons retourner au train pour demain matin. Ça va? Redescendons et on va peut-être trouver d'autres choses étranges. En tout cas, j'aime trop, c'est magnifique. On doit descendre. Je pense pas que je vais dormir dans le train. Peut-être qu'il y a un autre endroit où on peut dormir ce soir. Et le sol peut-être. La poussière, les cailloux, ça devrait être un très bon, très bon matelas. Ce n'est pas drôle, Virgile. Oh, regarde les papillons. Je devrais peut-être en collecter quelques-uns pour les études. Tu penses que je peux en attraper un? Je te souviens de ce que Monsieur Gravier a dit? La mort vit en dessous du lit. Non, pas ça. Dessine-le avant que tu le touches. C'est vrai. D'accord, donc pour changer les outils, c'est ça, et on va utiliser notre plume. Donc on va l'approcher et on va utiliser notre plume pour le dessiner dans notre encyclopédie. Très bien. Ah, chouette. Donc on va ouvrir. Alors... Donc ce sont des papillons qui émettent une très légère lumière bleue. Ils absorbent donc de la lune. Ils sont sensibles au son, mais ils ne partent pas si facilement. Donc sauf si ils se sentent menacés. D'accord. Donc ça, c'est leur habitat et quand ils apparaissent. Donc ils sont dans la forêt près de la montagne, dans la nuit. Donc il faut utiliser un attrape-papillon. Donc on peut avoir des papillons, donc ce qu'on peut collecter ensuite. Comment on peut les collecter? D'accord. Hop. Alors, voyons voir. Tu vois pourquoi tu ne peux pas en attraper un maintenant? Bah oui, puisque... il nous faut... bah oui, un... La file à papillons, et t'en en as pas. Pas faire grand chose alors. Mais je vais en attraper un maintenant.
Il faut aller à la maison des sorcières à Highland, c'est beaucoup plus important. Oh. Bon, descendons alors. Il doit bien quelque chose d'autre à faire d'amusant. On va voir par là. On a eu des pierres. Moi, ce que je fais, c'est que je collecte tout. Hein. Oh, ok. Donc pour l'instant, on peut pas y aller là-haut non plus. Nos petits papillons. Je pense qu'on va essayer de collecter un max de trucs quand même parce que c'est un peu le but. Et puis moi j'aime bien toujours collecter des petits trucs en avance. Sait-on jamais, ça peut être important pour la suite de l'histoire. Donc je crois qu'on était descendu par là. Hein. Oh, regarde! Ellie est retournant en train. Non, oh, regarde Virgil! Un chat qui brille! J'ai jamais vu ça! Ellie, nous devons... Oh, allons-y! Allons après la créature! Il est mignon le chat! Hein. Ah! Le voilà, le petit chat! Il est parti! Je crois que le chat a laissé quelque chose derrière lui. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est en fait pour dessiner les patterns. C'est différent de celui qu'on utilisait à l'école. C'est juste un packaging différent. Ok. Donc ça a été certainement enlevé par le temps. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on le dessine avec la même chose qui a été faite au début. Ok. Eh bien, dessinons-le. Est-ce qu'on va le dessiner avec ce qu'on vient de récolter, bien sûr. Alors. C'est parti. Oh, c'est trop beau. Où est parti le chat? Oh, regarde, Virgil, une maison. C'est une maison de sorcière, n'est-ce pas? Ça a l'air très ancien. Je suppose qu'on peut parler au maître de maison qui est dedans. Ça ne semble pas très habité. Bah, s'il y a personne, je peux rester un petit peu. Est-ce que c'est pas naturel pour un apprenti, pour une apprentie sorcière de rester dans une maison de sorcière? C'est vrai, mais... Virgil, c'est la raison, hein. Il veut que on rentre à la maison. Hein. Il y a quelqu'un? Il semble qu'il n'y ait personne. Ça pourrait être une maison abandonnée de sorcières. Et allons à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon, j'adore. C'est vraiment une maison abandonnée. En prenant en considération, ça a l'air ok. Bon, c'est pas très propre par contre. Ouais, ça a pas l'air en très très bonne condition. Mais le lit semble ok. Je suppose qu'on peut dormir ici. Ouais, bon ben, puisque ce sont des institutions publiques, hein, c'est ok de dormir dedans, la nuit. C'est toujours mieux que de dormir dehors. Ok, donc la stamina, donc... On peut retrouver de la stamina quand on mange ou quand on dort. Ok. Allez, dormons. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu n'as pas bien dormi? Oui, mais j'ai rêvé que je dormais dans le train. Après tous ces efforts pour ne pas dormir dans le train, tu rêves que tu dors dans le train. T'aurais juste dû dormir dans le train. Non, c'est pas ça. J'ai bien dormi. Je peux presque entendre le son du train. Mais attends, c'est pas le son du train? Quoi, vraiment? Est-ce que ça part... Il part déjà? Dépêchons-nous. Oh là là. C'est vraiment le son du train. Je pense qu'il est bien... Il va bientôt partir. Dépêche-toi. Je me suis réveillée juste à temps. Je suis contente de ne pas avoir dormi plus.
Allez, dépêchons-nous. Je sais pas trop par où on va passer, mais... Oh, qu'est-ce que c'est, des petits lapins? On n'a pas le temps. Vite, 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 le train. Je crois que c'était par là, non? Dépêchons-nous. Mais où est le train? Ah, il semble que le train ait été imité par cet oiseau. Mais où est le train? Il est probablement parti pour Highland. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, regardons aux alentours. Peut-être qu'il y a quelque chose d'indices. Pourquoi tu es si calme? C'est vrai que le chapeau, il est très très calme hein, quand même. Hein. Oh, j'ai vécu pire avec ta mère. Ceci explique cela, donc. Ah, l'oiseau est parti. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ça s'appelle un oiseau gaga. Apparemment, c'est un peu... Oh, tais-toi, je ne veux pas entendre ça. C'est ta faute hein, pour avoir trop dormi. Ne blâme pas l'oiseau gaga. Ah, ok, peu importe. Tais-toi. Donc on peut pas descendre plus. On ne peut pas aller par là-bas. Mais il y a un petit truc là. Oh, une lettre! Comme c'est gentil d'avoir laissé une lettre derrière. Voyons voir. Je crois que c'est du serveur. J'ai probablement choqué de voir que le train est parti. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas attendre. Car le train était déjà en retard, donc nous sommes partis. Mais ne t'inquiète pas, le train reviendra plus tard. Et il y a un village pas très loin où j'avais l'habitude d'habiter. Tu peux juste passer quelques temps là-bas. Il doit y avoir un cygne dans la forêt. Donc regarde et va trouver le village. Lorsque tu arrives au village, s'il te plaît, donne mes plus sincères salutations à Enid et Arden. Il a dit qu'il y avait un village, Virgil. Est-ce que tu n'es pas un petit peu agacée d'avoir manqué le train, Ellie? Il y a un village pas loin. Je ne peux pas imaginer où est-ce qu'il pourrait être. Nous avons exploré les environs hier soir. Il faisait probablement trop sombre. Allons voir de nouveau. Il y a peut-être un signe pas loin. Et à propos de la maison de sorcière, nous devrions la nettoyer. Puisque nous allons rester là-bas tant qu'on n'a pas trouvé le village. D'accord. S'il te plaît, ne semble pas trop excité. Nous avons manqué le train, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu m'as entendu, hein? Oui? Bah... On devrait peut-être aussi remplir notre encyclopédie, hein. J'adore parce qu'elle est pas du tout inquiétée, quoi. Qu'on ait raté le train, pas un souci, quoi. Alors, il faut qu'on dessine trois choses pour notre catalogue. Qu'on aille à la maison de sorcière et qu'on trouve, du coup, le village. C'est parti. On va un petit peu explorer pour le coup. Déjà les plantes. Alors qu'est-ce que c'est? Silver Starbell. Ok. Les petites bébêtes là. Qu'est-ce que c'est? Un squishy chub. Ok. Et comment est-ce qu'on peut l'attraper? D'accord. On peut l'attraper comme ça. En plein jour. Ok. Eh bien attrapons alors. Ok, on a eu sa fourrure du coup. Hop! Donc on a déjà deux choses. Ah, là on a un passage. Donc ça doit être pour mener au village. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est trop beau! Oh, j'aime trop! C'est trop mignon! Vraiment, les graphismes, ils sont magnifiques, je trouve. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah oui, ça, on peut le prendre. Là, il y a quelque chose dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Pushbugs, ok. On peut pas l'attraper, malheureusement. Donc, on a déjà terminé une petite quête. Allons à notre petite maison. Je sais pas si plus tard on pourra la décorer ou quoi la maison. Alors débarrassons-nous des mauvaises herbes d'abord. Mais il y en a trop. Ça va prendre une éternité d'enlever tout ça à la main. Bah regardons dans la poubelle peut-être qu'il y a quelque chose. Ou une potion qui pourrait nous aider. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite partie. J'espère que ce petit épisode vous a plu. J'essaie de pas trop rusher le jeu parce que comme il est en early access, pour l'instant il n'y a qu'un chapitre. Donc j'essaie de pas trop me presser pour qu'on puisse vraiment apprécier le jeu ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes prêts pour la partie 3. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!